Voilà. alors euh, un autre aspect des choses, euh, c'est que l'eau, en fait, tente à dériver toujours de la ligne droite. Alors, si je fais ce geste-là, en faisant une ligne droite, j'obtiens derrière mon, mon passage des courbes, telles que la rivière le ferait lorsqu'elle est dans la plaine, et qu'il y a un, un échange entre ce qui est retenu. Par le, la terre, par les terres, et ce que l'eau crée dans son courant. Alors, c'est ce qui donne les méandres que l'on connaît bien euh, dans le bassin parisien, par exemple, et dans les plaines. Alors, ces méandres, en fait, euh, autour du Rhin et d'autres fleuves qui ont été canalisés, bon, voici la figure. Ici, il s'agit d'une plaine en, en Allemagne, et on voit les villages. On voit des nervures qui sont le passage du Rhin au cours des siècles passés. Le premier datant du XIVe siècle, les méandres du Rhin passaient jusque 5-10 km d'un côté à l'autre. Et euh, les derniers méandres sont les plus foncés. Le plus foncé étant le dernier avant le redressement du Rhin qui en a fait un canal euh, rapide pour aller d'un point à un autre, et évidemment, pas seulement pour les bateaux, mais aussi pour l'eau. Alors ça, ça a des conséquences. Parce que tous les alluvions qui, au cours des milliers d'années, des... se sont déposés autour dans la vallée, ont fertilisé la vallée, qui ont créé évidemment des inondations, et qui ont euh, euh, engendré des problèmes euh, humains et à la fois agricoles, euh, Aujourd'hui, il n'y a plus ces problèmes-là, mais on en a créé d'autres ailleurs. C'est-à-dire que le Rhin euh, charrie plein de choses qui vont jusqu'aux Pays-Bas. Euh, mais ce que l'on a surtout perdu, c'est cette interface entre le courant euh, majeur du Rhin qui vient respirer avec la terre, en l'occurrence tous ces méandres qui étaient euh, euh, rythmés avec le cycle des saisons. Et évidemment, des inondations et tout ça qui ont créé euh, cette campagne autour. Maintenant, l'interface est limitée à la bordure du canal. Alors, euh, ce n'est pas dans la nature de l'eau de vouloir faire une ligne droite. Ça, c'est une intervention de l'homme. Aujourd'hui, on en est au, au fait de vouloir remettre des méandres. Après avoir canalisé des rivières, on recrée des méandres. Avec des machines, toujours au frais du contribuable, bien sûr. Mais c'est bien, il faut faire des erreurs, après, pour les réparer, mieux comprendre ce que la vie nous enseigne.